Bonjour tout le monde, merci de vous être déplacé ce matin. Vous avez peut-être entendu cette nuit une autre disparition, troisième disparition en 48 heures. Donc, on va tout mettre nos priorités là-dessus. Mike, tu veux dispatcher tes équipes? On va mettre les priorités aux bonnes places, s'il vous plaît. On a-tu des suspects? On n'a aucun suspect pour le moment. Dans le fond, tout ce que vous allez trouver bizarre ou étrange, on vous les rapporte, on va partir de là. C'est bon. Olivier, Mac, vous allez vérifier ça. C'est probablement rien. Mais la dame, ça fait trois fois qu'elle appelle depuis hier. Ah, come on. Pourquoi nous autres? Tu pourrais donner ça au rookie un peu, là. Elle a appelé la semaine passée et dit qu'elle avait un ovni, là. C'est-tu vraiment nécessaire dans le moment, là? On va donner priorité à ce dossier-là. Tout le monde a été seté. Merci beaucoup. J'attends juste du positif en fin de journée. Let's go, gang. Merci. Bonne journée. C'est vraiment pas normal. D'habitude, je le vois chaque jour. Oui, oui, on sait ça, Marie. Maintenant, rentre en dedans, on va s'en occuper. Rentre en dedans, Marie, on va aller voir ça. Là, ça fait deux, trois jours que je l'ai pas vu. Mais tu sais, moi aussi, je connais tout le monde. Oli. Rentre chez vous, Marie. Monsieur Veillette? On va à Dome, pis c'est... Non, sac! 18-4 pour le central. Central à l'écoute? On a un code 902 à notre journée, on demanderait qu'on parle en plus. On a un portefeuille. Flag! Dis à central qu'on a peut-être un suspect. Pas à M. Veillette. Propriétaire d'un véhicule de marque blanche de protéger de couleur grise immatriculée. Ça va être bon char. Je pense qu'on a pogné le jackpot. 18-7 à centrale. Hein? Centrale à l'écoute. Comme 926 à notre 10-09. On demande un 10-07 pour procéder. Centrale, on envoie un véhicule à votre 10-09. 10-04. Central, le 10-07 de pour un code 214, on va intervenir. Central, on va intervenir.
Non, c'est correct, ça va. C'est beau.